أغو غيبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات جودة وضمان وسوم مناسب. أغو غيبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات جودة وضمان وسوم مناسب. Room Auto Pro Tunisie ou la Haute Boule 54 220 220. برشا موديلات اللي جايين من الصين كما قلت لكم واي الاسم هذا ما تعرفوش اما تعرفوا افال وغريت وول بتبيع هي لا برونش لوكس نتاعهم كيما نيسان انفينيتي ولا لكسوس عن تويوتا واي توفر لي موديل تري زود جام اي بريميوم تاع لا مارك شينواز شدوا موجودين في فرنسا وبالكش نلقاوهم في بلادنا نهار واي دي الماركه اللي موجوده في تونس كانت عندها من الاكبر ستاند هوني في فرنسا خاطر ولات تبيع كراهب ان فرانس اي ان اوروب كاين دوك التانك تعرفوا قدمت لكم اشهر التالي ان فيرسيون الكتريك ليفي تانك اي ان اكسكلوزيفيتي زاده دي واي دي هان برلين الكتريك الهدف نتاعها واضح باش تنافس لا ريفيرونس تسلا ونعطيكم ان بتي سكوب باش تبدا موجوده في تونس كما شفتوا الديزاين نتاعها مزيان كرهبه كبيره تقريبا 5 متر في الطول قلت لكم على تسلا من الداخل زاده ذكرنا تسلا ان انتيريور تري فلويد تري سامبل هوني افيك جوست ان اكران الفولون هذا نعرفوا موجود على ليفي تانك عندنا بالطبيعه لي كوكبيت ديجيتال ان كونتور فيرتويل اي 4 سياج باكي امبيونس زاده سبور وفوتوريست Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en plein cœur du Mondial de l'Automobile de Paris. Le monde de l'automobile se réunit ici, à Paris, pendant une semaine.
DS Automobile ne pouvait pas manquer cette occasion de vous présenter son savoir-faire et ses modèles. Je vous propose de faire un rapide tour du stand pour découvrir ce qui est mis en avant auprès du public. Commençons par DS E-Tense FE21, notre formule électrique qui concourt dans le championnat de Formule E. Nous avons également une nouvelle DS3 présentée en première mondiale sur le stand. DS4 présentée également avec sa nouvelle finition Opera en motorisation E-Tense 225 chevaux. Nous avons bien évidemment notre best-seller avec nouvelle DS7 présentée ici dans son édition de lancement la première, accompagnée de sa motorisation E-Tense 4x4 360 chevaux. Enfin, nous avons DS9 présenté avec son édition limitée Opera Première qui met en avant sa nouvelle teinte exclusive Whisper et un intérieur en cuir Nappa gris perle également qui lui est exclusif. Enfin, clou du spectacle, notre dernier concept car, DS E-Tense Performance, qui a été pensé et conçu comme un laboratoire roulant permettant d'étudier, de développer les technologies des futurs modèles de DS Automobile. Notre stand met aussi en avant nos partenaires comme Focal. Nos artisans selliers sont également présents tout le temps, sur toute la durée du salon, pour présenter leur savoir-faire et leur passion. Une boutique est également à disposition, permettant de vendre en complément les traditionnels produits dérivés, des miniatures, des sketchs originaux de nos designers. C'est la première fois que nous mettons en vente ce genre d'objets. بالطبيعة كانوا موجودين زادة دي فواتور ديكسيبسيون دي موديل ميتيك فيراري كيما المونديال تي ولا المودينا حتكشي اخر موديلات كراها بندرين برشا لا اس بي 2 مثلا ولا ان اف 488 تشالنج. حطتنا مع فوزي انا الباع هو اللي يسمع الكهرباء ايد غوزان اللي يملك الكهرباء الكهرباء اللي جديد هي من التكنولوجيا هذه. Parce que l'hydrogène, c'est une vraie solution green pour garder la liberté de l'automobile, d'avoir un temps de recharge qui est court, de 3 minutes, comme en plein d'essence, une autonomie de 800 km. Qui est bien plus important que le véhicule à batterie actuel. Bien sûr. Deuxième question, si vous pouvez nous donner les caractéristiques techniques de votre modèle. Alors, le modèle HUV, c'est un SUV premium qui fait 4,96 m de long, 2 m de large, 1 m 60 de haut. On a 800 km d'autonomie, temps de recharge 3 minutes. On a deux versions, une version à 300 chevaux, propulsion, une version qui fait 550 chevaux, la version GTH, 4 roues motrices. Donc l'avantage du véhicule, c'est qu'il a été designé avec Pininfarina, le studio design historique de Ferrari, d'où le design qu'on a qui est assez spécifique. C'est beau. Et surtout, la plus grande innovation majeure, c'est les capsules hydrogène. On a un système de capsules à l'arrière du véhicule qui permet de rendre beaucoup plus simple l'accès à l'hydrogène et le système de recharge. Justement, vous parlez des recharges. Alors, on sait que pour une voiture électrique, on va une borne de recharge. Comment se passe la recharge de la Nanix? On a deux façons de la recharger. De manière classique sur une station hydrogène, mais qui sont peu développés. En France, on n'a qu'une dizaine qui fonctionnent. Ou alors, une deuxième manière, via les capsules d'hydrogène, donc qui sont à l'arrière du véhicule. On a 350 km grâce aux capsules et 500 grâce au réservoir fixe qu'on ne voit pas. En fait. Au total, un peu plus de 800 km. Les capsules, c'est une première mondiale, c'est un brevet d'invention unique au monde. Le sujet, il est simple. Une station hydrogène coûte en moyenne entre 3 millions et 10 millions d'euros que le génie civil a développé. C'est la raison pour laquelle on en a que très peu en Europe et très peu en France. Avec les capsules hydrogène et le Capix Store qui est ici, on développe le système pour 50 fois moins cher et avoir un réseau beaucoup plus important en Europe pour notre premier marché. Donc voilà, c'est une vraie solution concrète pour déployer l'hydrogène plus massivement. D'accord. Concrètement, à partir de quand on pourra aller voir rouler? Donc là d'ailleurs, aujourd'hui on lance les préventes officiellement du modèle. On lance la version Historic Edition 2022. Il y aura 2022 véhicules numérotés de 1 à 2022 qu'on peut acheter ici sur le stand ou sur le site web nanix-hydrogène.com. Ces véhicules-là seront livrés fin 2025, début 2026.
D'accord. Merci infiniment. C'est un grand plaisir. On est doublement fiers et contents parce que vous êtes un voisin. Vous n'avez pas. Bonsoir. Bravo et bonne continuation. Avec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, la حلقتنا نتاع اليوم وفات ان شاء الله عجبتكم هوني من البيريز avec les dernières nouveautés qui العاده ليكم انتم في اوتو برو وانا نعطيكم موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه سالي عيش ثنيتك مع شيل فيو سيف اورو ريبار قطع غيار لجميع انواع السيارات جوده وضمان وسوم مناسب